Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP, jouer la team SCJ hier pendant mon live DBL. Justement, vous avez été nombreux et nombreuses à réagir, à me dire Soso, joue le Broly LF s'il te plaît, ça fait longtemps. Eh bien, ça va être chose faite dans cette vidéo. On l'a mis dans la team avec forcément le Badak SCJ Zenkai, mais également le Goku LF Namek. Comme ça, bah, il va bénéficier des deux caps Zenkai. Ça va bien le booster, surtout qu'en plus, mon Broly, il est à 6 étoiles. Et autant vous dire que ça risque de casser de la bouche. Mais bien entendu, je l'ai également mis avec le Goku SCJ 3 LF Zenkai 7. Malheureusement, je n'ai que 7 étoiles. J'aimerais bien avoir des étoiles supplémentaires sur ce Zenkai, parce que c'est vrai qu'en ce moment on le laisse un petit peu de côté, mais c'est un excellent personnage. Déjà d'une, pour la cover, voilà, il a une cover téléportation, donc pour les Rising Rush ça peut te sauver, tu vois, ou même une attaque ultime. Mais également, il a un main qui lui donne du soin, il récupère des PV. Et ça, c'est vraiment très fort, avec également son attaque ultime qui annule eh bien, le contre-type. Donc autant vous dire, c'est plutôt vraiment pas mal. Ça verte également sur les blasts. C'est un personnage vraiment très très complet et on n'en parle pas assez. Donc voilà. Eh bien écoutez les amis, on va partir en PVP en espérant que tout se passe pour le mieux. Yeah ! Première game de cette vidéo tombe contre la team Métis. Alors vous voyez, hein, je vais jouer debout avec mon téléphone dans les mains. Alors là du coup, je pense que je vais partir comme ça. Je vais partir comme ça parce que le Trunks vert ne me fait pas vraiment peur. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors qu'est-ce qu'il a pris? Ok, ouais, il a bien pris le Trunks vert. Ok, bon, ça va pas être évident quand même, mais j'ai confiance en Broly. J'ai confiance également en Badak. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Toute première en vidéo pour jouer debout en PVP. Ok, ça passe. Ok. Le Broly. Très bien. La fameuse carte verte hein, pour Broly. Voilà. Il n'y a pas de lag. Donc c'est déjà une bonne chose. On a bien attendu le pas de côté. Le Gogetada. Ok. Voilà. Parfait. Bon, ça se passe bien là. Là, ça se passe bien. On est sur un perfect pour l'instant. Ça se passe vraiment très très bien. On stun ou pas? On stun? On stun! Non mais c'est trop le Broly. C'est... Broly, ça bouge pas. Hein. Donc je peux pas Rising Rush tout de suite. Comme il a deux barres de vie, ça sert à rien. Par contre là, voilà, non mais c'est très fort. C'est très fort. Allez, je vais mettre l'aspect. Ne me contre pas, ça serait bien. C'est vraiment très fort ce qu'on voit, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un délire. C'est un délire. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre des contres. J'en ai marre des contres. La vérité. Ça a abusé. Allez. Ok. J'aurais peut-être dû faire l'ultime avec le Gogeta. Bon, c'est pas grave. Ça se passe bien quand même. Mais franchement, j'en ai marre des contres de Rising Rush. Là, vous voyez, j'étais sur un perfect et tout ça. Et regardez, maintenant, je me fais toucher alors que j'aurais pu potentiellement faire un perfect. J'ai un peu le seum. Let's go. C'est n'importe ce que je fais là. Je suis en train de faire n'importe quoi depuis qu'il m'a contré là. Il a pas esquive. Ok. Broly hein, qui tank sur le Trunks quand même. Mais normalement le Trunks qui n'avait pas lieu d'être. Hein. La vérité, il aurait pas dû être là. Bon après c'est comme ça, c'est le jeu. Normalement il aurait dû être mort déjà depuis un moment. Mais bon. Très bien. Ok. Il nous fait une petite remontada, mais bon. J'ai confiance en Broly. J'ai confiance. Le Badak. Ok. Ça va piquer. Ça va piquer, mon garçon. Allez. Ton Trunks, cuisine. Va éplucher des oignons. Ok, ça c'est parfait. Voilà. Broly. Ouf. Deux strikes, Gohan, cuisine. Allez. Incroyable.
Ouf. Ok. Ah, il va l'esquive, c'est normal. Mais au moins, il l'a déjà esquive. Parce que là, normalement, il va Rising Rush, je pense. Mais au moins, voilà, je l'ai fait esquiver, c'est ce que je voulais. Oh, bah là, attends. Hop. Ah, ce qui est dommage, c'est qu'avec l'aspect, c'est au corps à corps. Donc, ouais, bah ouais, logique, il va Rising Rush. Dommage. Ça aurait été l'aspect de Gogeta, il était mort. Bon, c'est pas grave, mais là, de toute façon, il a perdu. Hein. Là, il a perdu. Bien évidemment, moi, je ne contre pas. C'est un délire. En tout cas, il n'y a pas de lag dans la game, mais du coup, c'est fluide et agréable. Allez. Voilà. Allez, tu vas aller chercher tes échalotes, tu vas aller chercher tes oignons. C'est la cuisine, mon garçon. Voilà, non, mais franchement, est-ce que vous avez vu quand même les strikes de Broly? C'était vraiment très fort. On n'oublie pas, en début de game, l'aspect, ça a permis de stun également le Gohan LF Revive. Franchement, très fort. On est parti pour la deuxième game. Donc là, on a vraiment une très belle team diva en face de nous. Je vais partir comme ça. Cette fois-ci, on va prendre le Goku SSJ 3 LF, le Broly avec également le Gogeta. Je ne vais pas prendre le Badak. Logiquement, j'aurais dû prendre le Badak, commencer avec. Mais là, le but, c'est de vous montrer le Broly en action. Sinon, j'aurais remplacé le Broly par le Badak Zenkai tous les jours. Hein, voilà. Mais là, voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner face à cette team diva. Le Goku Blue Zenkai 7, 14 étoiles. Du coup, j'aurai le Goku SSJ 3 LF pour espérer le contrer. Voilà, ok, il a pris Vados, le Goku Blue et le Migaté. Le Migaté qui, attention, un peu nous faire des petites temporisations avec sa double jauge d'esquive. Ça peut être intéressant. Let's go, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis du coup, pareil, le Goku SSJ 3 LF, comme j'ai pu vous le dire, je pense que là, il va nous faire du bien dans cette game. Mais également, même sur le Migaté, hein, il peut vraiment faire du bien sur le Migaté avec son fameux main et son attaque ultime qui annule justement le contre-type. Bon, et bah écoutez les amis, clac clac, let's go, on est parti, espérons que ça ne lague pas. Allez, pas mal. Donc il joue plutôt pas trop mal, hein. Il a bien anticipé le tackle. Ok, parfait. Le Broly. Ok. Voilà, contre-type, hein, elle encaisse bien du coup la Vados, ça, c'est normal. Voilà. Ok. On a bien entendu le pas sur le côté. Mon cri était à zéro, donc du coup c'était compliqué. Ah, j'ai pas pu esquiver. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais le point d'exclamation, tout ça. Alors là, on va mettre Broly là-dessus. Parce que sinon, j'aurais pris pas mal de dégâts sur le type fusion. Négaté, il a un boost, donc voilà. Ok. Très bien. Faut que je fasse attention quand même. Ok. Broly. Pas ouf. 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 Broly, il a fumé Vados. Voilà. Qui est à contre-type là en fait? C'est voilà. Ish. Allez, toi tu t'es fait avoir. Bon bah là, ça va piquer également. Parfait. Parfait, parfait tout ça. Bon allez, je me pose pas de questions. Hein. On Rising Rush là-dessus. C'est parfait. Non mais allez, vas-y, on remet l'aspect. En espérant pas me le faire contrer cette fois-ci. Est-ce que vous avez vu quand même le Broly ce qu'il a collé? C'est bon, c'est pas contré. Ce qu'il a collé à la Vados. C'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Ok. J'ai pas assez attendu. Pourtant, j'ai voulu bien attendre, mais ça n'a pas fait. Bon, là, c'est pas grave de perdre des points de vie, puisque j'ai le main avec le Goku SSJ 3 pour récupérer des PV s'il y a besoin. Hey, j'ai appuyé la blast. Oh purée la douille. J'avais appuyé la blast en plus. La deuxième carte blast. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y fais ton Rising Rush. Allez la verte. Voyons voir. Est-ce que je peux contrer quand même? Est-ce que ça peut m'arriver de contrer? Je contre. Oh bah ça c'est pas mal. Allez let's go. Pour une fois que c'est moi qui arrive à contrer. Bon il me tuera quand même. Ça changera rien mais bon. Très bien. Donc là, j'ai fait un mauvais move. J'aurais pas dû faire ça.
J'aurais dû temporiser un peu mieux, là je pense qu'on va perdre le Broly. Par contre, on a le Goku SSJ 3 LF. 1v1. C'est parti. Donc Migaté. Voilà. Voilà. Migaté, hein. Migaté qui part aux fraises. Voilà. Voilà. Et c'est le LF. Quitte pas. Il quitte pas. Yeah, c'est parti les amis. Ah, petite connexion instable. Connexion instable, il est parti, il a pas aimé. Matana. Franchement, le Goku SSJ 3 LF, comme j'ai pu vous le dire, il est vraiment très 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 fort. Et franchement, c'est un truc de fou. La vérité, je comprends pas pourquoi certaines personnes ne le jouent pas plus que ça en PVP, quoi. Parce que franchement, c'est vrai qu'il est vraiment très fort. Moi, je l'ai 7 étoiles, j'aimerais bien le monter en étoile un peu plus, mais bon. En tout cas, deuxième game, encore une fois, on a vu vraiment des choses intéressantes. Ok, pour cette troisième game, Team Divin encore en face de nous, qui est plutôt plutôt correct, hein, plutôt propre. Et ben, on va reprendre les mêmes, voilà, le Goku SSJ 3, le Gogeta, le Broly. Et puis, ben, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, bon, bah là, je suppose qu'il va reprendre Vados. Enfin, normalement, il va prendre Vados. Voilà, le Goku Blue. Et du coup, Vegeta LF. Bon. Voyons voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que le Broly va nous faire plaisir ou non? On va voir. Let's go. Ok. Ça passe. Voilà. Ish. Ok. Je vais mettre le Gogeta. Est-ce qu'il peut stun? Ça stun? Non, il a pas stun. Dommage, c'est pas grave. Ok, ça passe. Ok. La bagarre. Ok, allez. Ish. 956. Il a gagné. Oh là 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 là. Mais purée, j'ai pas de chance. Je fais 956, il fait 956, c'est lui, ça passe pour lui. Escrive. Ouf, c'est bon. Hop. Dommage. Ok, faut que je fasse attention là. Parce qu'il fait des choses intéressantes. Faut que je fasse attention. La verte, allez. Yes. C'est parti. Là, ça va chier des bulles carrées. Ish. 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 Allez. Allez. Ah, il a remis le Goku. Il a remis le Goku Blue. Très bien. Ok. J'aurais peut-être dû faire la carte verte dessus, c'est pas grave. S'il aurait fait une strike ou une tap attaque. Là, ouais, putain, on a failli perdre le Broly, là. Putain, là, il va resquive, du coup. Il récupère l'esquive. Bah, ouais. Ok. Rising Rush. Allez, la strike. Il va mettre la strike. S'il te plaît, je peux contrer un Rising Rush, au moins? Yes! Purée, c'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours qu'on peut contrer, nous. Ok, ça passe. Ouf. Allez. Ok. Bon, je vais Rising Rush là-dessus. Hein. Voilà. Let's go. On va mettre la Blast. Franchement, très grosse game, les gars. Hein, parce que le mec, ça va, il se débrouille pas mal quand même. Et du coup... ok, c'est bon, il contre pas. Pour une fois, j'ai un peu de chance. Purée. Let's go. La Vados. À la cuisine également. Avec la folle à queue de cheval, là. Ok. Ah, j'ai pas pu esquive. Mais bon, ça tank, hein. Ça tank, du coup. Il a un contre-type, donc... ça me pose pas de soucis, surtout qu'on peut récupérer des points de vie. Ok, bon, quand même, on va faire gaffe, quand même. Ish, voilà. Là, le Vegeta, il devrait ramasser. Ok. 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 Le Vegeta, il a rien compris. Le Vegeta, il n'a clairement rien compris. Goku SSJ 3 LF, c'est très fort. Hein. Franchement, le... Allez, KO, du coup, c'est... One combo, hein. Let's go. Allez, aux fraises. Franchement, le duo...
de Broly et du Goku SSJ3 LF Zenkai, c'est très fort. Vraiment, c'est très très fort. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du délire, les deux persos ensemble, c'est une dinguerie. Vraiment, on devrait les voir beaucoup plus souvent en PvP parce que c'est vraiment très fort. Allez, quatrième game. Ok, il y a du Mugaté, il y a Vados encore. Bon, on va prendre les mêmes. On va prendre les mêmes vu que ça se passe bien. Voilà, donc normalement, hein, je le rappelle, je devrais prendre Badak à la place de Broly. Mais du coup, là, le but, c'est de vraiment vous montrer dans cette vidéo que le Broly est encore vraiment très très fort et accompagné là du Goku SSJ 3LF, c'est vraiment incroyable. Ça passe. Parfait. Voilà. Voilà. Ok. Ça stun. C'est ce qu'on demande, hein. C'est vraiment ce qu'on demande. C'est exactement ce qu'on demande. Parfait, ça. Ok. Ok, il a mis le topo. Là, j'ai pas eu le temps de mettre la verte. J'aurais bien voulu. Ok. Là, par contre, du coup, on va mettre la verte pour le Broly. Allez, ça va passer. Ouf. Ok. Ush. Je peux pas Rising Rush. Il a survie au KO, le topo, donc... ça m'embête un petit peu. Ça passe. Il a remis Vegeta. Très bien. On va mettre le Gogeta là-dessus. Bagarre. Allez. Ish. Ah. J'ai pas été bon. J'ai pas été bon sur le clash. J'ai pas été très bon là-dessus sur le clash. Allez. La cover de Broly. Ish. Très fort ça aussi, la cover de Broly hein, sur les strikes. Ok, la Vados qui soigne. J'ai attendu le pas sur le côté, malheureusement ça ne l'a pas fait. Ok. Il récupère du coup de la vie le topo. J'aurais pas dû. Bah ouais, son ultime va passer. Purée, j'ai voulu faire l'aspect avec le Rising Rush, mais du coup il a déclenché son ultime et l'ultime prend le dessus. Ok, là je me soigne. Par contre là on esquive. Et là la Vados à risque de ramasse. Ish. Oh c'est incroyable. Broly c'est incroyable. Non Broly c'est incroyable les gars. Non mais regardez, c'est incroyable. Allez, KO, voilà. La verte. Yes, ça passe. Bon bah là. Oh là 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 là. Oh là là les dégâts. C'est monstrueux. Vas-y, let's go, je fais ça. Hein. C'est monstrueux, vraiment, ce qu'on est en train de voir, là. C'est un truc de fou, vraiment. Vas-y, let's go. Histoire de lui faire gaspiller du ki bêtement. Puis, comme il a son Rising Rush... Ok. Esquive. Ish. Ça passe. Parfait. Pff, voilà, strike. Ouh. Non, c'est trop. C'est une violence incroyable. C'est clairement... Non, mais voilà. Non, mais je le comprends. Clairement, c'est une violence incroyable. J'ai pas les mots. Est-ce que vous avez vu quand même les dégâts de Broly, les dégâts du Goku SSJ3, même là, les dégâts du Gogeta? Mais c'était vraiment... incroyable, c'était vraiment insane, vous le voyez, hein, c'est voilà, je vais poser mon téléphone parce que c'était une violence insane. Voilà, vous vouliez voir Broly en action les amis, je vous l'ai mis dans la team SSJ, accompagné du Goku SSJ 3LF, max de pouces bleus sur cette vidéo, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires. Et voilà, Broly, elle est la violence. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. On va pas être en live aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. Je vous ai fait une vidéo ce matin sur la sortie du jeu mobile Demon Slayer avec du gameplay. Et bien là, c'était du coup le PVP Dragon Ball Legends dans cette vidéo avec Broly en espérant que ça vous plaise. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, vous abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super!